Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On est en live sur Twitch. Voilà, regardez, regardez-moi ces coucou YouTube. Incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il se passe des dingueries. D'ailleurs, dimanche. YouTube, j'en profite, parce qu'on se reverra pas avant dimanche. Dimanche, à midi, sort la vidéo sur les nouveautés Oli. Mais je serai en live à partir d'11h45. Parce que comme vous voulez tous me faire danser avec vos commandes, je serai en live avec un look, je vous prépare un petit truc aux oignons, je serai en live pour faire séance de sport avec les notifs des commandes au lit. Voilà, à partir d11h45 dimanche. Bref, on se retrouve ce matin pour ouvrir un paquet de la Maison du Canevas. Je ne sais pas du tout ce que contient ce paquet, je ne sais pas si c'est de la broderie, du DP. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas s'il y a des petits cadeaux pour vous. On va découvrir ça maintenant. C'est parti. Maïté, merci pour ton 27e mois. Encore un mois formidable avec toi et cette team de folie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ouais, je suis d'accord, la team de folie. Alors, je vois un sac Riolis, les amis. Attends, j'essaie de bien ouvrir. Oh! Attention. Ah! Donc, attendez. Hein. Petit sac Riolis. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit mot sur le dessus. Tout est emballé et tout. Oh là 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 là. Non mais Isabelle, elle fait ça trop bien quoi. Regardez-moi ça. Attendez, j'essaie de tout sortir. Wow, la petite carte comme d'habitude, magnifique. Donc petit sac. Très sympa, j'en ai déjà quelques-uns de ceux-là. Hop. Et tout est emballé. Il y a une petite carte. Et tout est emballé, trop mignon. Alors. Regardez-moi ça. Alors, merci pour le partenariat, bonne découverte, l'équipe de la Maison du Canevas et de la Broderie et Riolis. Bonjour Angélique, voici un colis créé en collaboration avec Riolis jusqu'au 4 juin. La marque est à la une de notre site avec moins 50% sur de nombreux articles et une mini broderie offerte pour tout achat d'au moins un article de la marque. PS, la marque offre les articles que tu as reçus lors d'un concours Instagram qui sera lancé après l'unboxing vers 11h30. Donc tout ce que vous allez découvrir là va être à gagner sur l'Instagram de la Maison du Canevas. Bonne ouverture, bisous Isabelle. J'ai l'impression que c'est de la broderie. Alors... Le premier paquet pour la communauté, pour pas dire secte, lol. On l'ouvre en premier ou on le garde à la fin? On fait quoi? En premier ou à la fin? Est-ce que vous voulez déjà qu'on ouvre les autres paquets ou pas? À la fin? À la fin. Allez, je le mets de côté pour la fin. Alors, il y a donc trois paquets avec des indices et tout. J'adore. Paquet numéro 1. Indice. Petit 1, un animal. Okay. J'ai l'impression que c'est de la broderie. Donc, on va partir dans le truc de la broderie. Petit 2, tes couleurs préférées. Alors, je pense tout de suite à un bourdon ou une abeille. Jaune, animal. 3. Détesté par beaucoup, mais que tu aimes bien. Bah, abeille ou bourdon. C'est soit abeille ou bumblebee. Parce que animal... Non, mais animal, Emeline. Non, mais tout le monde aime les poules. Non, non, c'est sûr. Jaune... Non, mais tes couleurs préférées. Ah, mes couleurs préférées. Donc, il y a du jaune et peut-être orange, rouge. Non, moi, je dis abeille ou bourdon. Abeille ou bourdon. Là, je vais gagner toutes les énigmes. Vous allez voir. Attention.
Alors. Est-ce que je vais y arriver? Tu fais gaffe avec les... Ah, c'est un chat! Ah, j'avais pas vu! Mais alors, attends. Un point détesté par beaucoup. Ah, le backstitch! Ah! D'accord. Ok. Ah, oh, putain, j'avais pas... Ces points détestés par beaucoup, mais que tu aimes bien le backstitch. Oh, oh là 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 là. Donc, c'est... Ah ouais, c'est mes couleurs. C'est vrai que c'est mes couleurs. Donc, c'est un kit qui s'appelle Cat Summertime, tout en points arrière, effectivement, avec plusieurs différences de points arrière. Donc avec un brin, deux brins, même plus j'imagine vu l'épaisseur de certains trucs. Alors est-ce que vous allez voir? Oui. Oh, regardez-moi ça. Et donc c'est un chat qui s'étire et il y a des fleurs à l'arrière avec des dégradés rouge, orange, jaune. Et c'est abordé sur toile noire. Ça fait Halloween, c'est vrai que ça fait Halloween. Ah, il y en a d'autres de la même collection. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Les deux là. Est-ce que ça va faire le point? Ah si. Oh, vous avez en vert comme ça avec les petits oiseaux. Il est trop beau celui-là. Et en bleu comme ça, il regarde la lune. Le petit couple. Waouh. Non, je pense pas que ça soit du fil dégradé. Non. Non, non, c'est pas du fil dégradé, tu vois. C'est pas du fil fluffy. C'est du fil classique pour ceux qui n'aiment pas le fil acrylique. Et je pense que tu as peut-être des mélanges à faire. Ouais, tu as peut-être des mélanges à faire. Et puis après, c'est juste des dégradés en fait. Hein. C'est juste des dégradés. C'est super beau, la petite libellule là, elle est trop belle. Regardez. Voilà, donc ça, c'est le premier kit. Le numéro du kit, c'est 2174. Voilà. Il est très joli. Très, très, très joli. Ouais, ça change, j'avoue. Et il fait 21 x 30. Voilà, 21 x 30, fil en coton. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. 14 CT, 3 couleurs. Ah bah, il n'y a que les 3 qu'on voit là. Mais il n'y a pas de jaune. Ah non, c'est le orange qu'on voit. Ah ouais, il n'y a que ces 3... Il n'y a que 3 couleurs. Trop marrant. 3 couleurs, toile noire, 14 CT. Ça, c'est le genre de projet, il y a moyen que ça aille vite, tu vois. T'as quand même pas mal de trucs, mais il y a moyen que ça aille vite. Très joli. Très, très joli. Et c'est en blackwork. Voilà. Donc ça, c'est le premier. En sachant que tous les kits là... Merci, Amy. Amy vous a mis le lien. Tous les kits là vont être à gagner à partir d'11h30, apparemment, sur l'Insta de la maison du canard. Hop. Ça, c'est bon. Deuxième paquet. Indice. Jolie fleur. Ça, c'est l'indice numéro 1. Petit 2. Vive l'été et ses belles couleurs. Bon, là, c'est dur parce que trouver quelle fleur? Des fleurs, voilà. Jolie fleur. Vive l'été. Non, je pense pas que ça soit des tournesols. Je pense pas. Vive l'été, et c'est, je pense que c'est soit un bouquet avec des fleurs, ou soit un champ avec des fleurs de plein de couleurs. Je vois plus des fleurs de plein de couleurs, du coup. Vive l'été et ses belles couleurs, tu vois? Je sais pas. On va découvrir ça tout de suite. Bon. Oh, il a l'air costaud, celui-là. Ok. Oh, en plus, j'adore cette fleur. Donc, c'est une fleur. Oh, oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Il s'agit de Cocolico. Oh, la beauté. Waouh. Il est beau, hein. Donc là, c'est du fil acrylique. Donc le fil un peu mout-mout. Regardez. Je pense qu'on voit les petites fibres. Voilà, il y a plein de couleurs. Le nombre de couleurs.
incroyable. Combien? 19 couleurs. Oh, ça va, c'est pas tant que ça. Par contre, il y a une quantité énorme de chaque couleur. Hein. C'est le 22-14. Ah, merci. Amy vous a mis le lien. Il s'appelle Color of Flame. Ah, il y a un petit papillon, j'avais pas vu. Et les effets de relief, là, de lumière et tout. D'ombre et de lumière. Oh, regardez. Magnifique. Et c'est sur la toile. Alors, c'est du... Ah, c'est du 10CT. Ah ouais! Putain, on dirait tellement... Tu sais, quand tu regardes comme ça, là, on dirait pas du tout. C'est du 10CT. Parce que justement, je voyais le... Genre, les trous sont énormes. Bah, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Donc, c'est du 10CT. Mais le rendu est... Le rendu est super beau, tu vois. Ça fait pas du tout grossier ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que ça doit être très grand, non? Oh non, 30 par 30. Bah si, c'est pas mal, mais... T'as pas beaucoup de points arrière, pour ceux qui n'aiment pas ça. Et oui, j'allais dire de base, la toile, c'est la toile comme le calendrier de la forêt. La Svegart un peu chinée, là, comme ça. Qui fait un peu vintage. Voilà. Très joli, très 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 joli. Tac. Voilà. J'aime bien les petits reflets jaunes et tout, c'est trop beau. Rustico, merci. Exactement. Ouais, si, si, 10CT, ça existe, ouais. Les couleurs sont belles. On dirait pas qu'il y a du... Ah ouais, si, il y a un peu de rose. Un petit peu là. Un petit peu là, là. Parce que vous voyez, je voyais les fils roses, là. Il y en a plein en plus. Voilà. Très joli. Très très joli. 17 et 19 couleurs. 30 par 30. Donc ça c'était le deuxième. Hop. On va mettre le paquet là. Et le troisième. Période de l'anniversaire de ta chaîne. À la... À la rentrée. Tu as parfois la mémoire d'un poisson rouge. À la... Ah non, c'est en deux mots. Période de l'anniversaire de ta chaîne. À la quoi? À la... Ça a l'air d'être en deux mots parce qu'elle a mis deux traits. Parce que là, tu vois, tu as parfois la mémoire d'un poisson rouge. Et là, il y a deux traits. Période de l'anniversaire de ta chaîne. À la... Parce que l'anniversaire de la chaîne, c'est le 15 août. Ah! Ben non. Ah, la mi-août. 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 Mais quel rapport? Il y a une toile qui va être spéciale mi-août? C'est bizarre, non? Une toile mi-août avec un poisson rouge? Mi-août. Ah, miou. Ah, chat et poisson. Miou. 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 Et un chat avec un poisson et un petit aquarium boule, là. D'ailleurs, ne mettez pas vos poissons dans des aquariums comme ça. C'est pas assez grand pour eux. Mais, à mon avis, c'est ça. Non, mais attends. Isabelle, elle aurait été chercher jusque-là. Parce que là, ça ressemble un peu à une énigme d'un jeu, tu vois. Non pas que je sous-entends pas du tout que c'est pas du niveau intellectuel d'Isabelle. Parce que je pense qu'Isabelle est quelqu'un de bien plus intelligente que moi. Mais c'est tiré par les cheveux un peu. Ça fait un peu énigme père Fouras. Elle est pleine de ressources. Isabelle nous étonnera toujours. Attends, si c'est ça, elle s'est grave chauffée. Attends, attends, attends. Mi-ou pour faire un chat, franchement. Attendez, il est magnifique. Oh, elle s'est chauffée pour faire ça. Regardez la beauté de ce kit. C'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie, la beauté. Attends, excusez-moi, mais... Il est tellement beau. Il est magnifique. Attendez, on rigolait. On rigolait.
Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Chat, poisson, aquarium, boule. C'est sûr, parce que c'est un peu la représentation qu'on s'imagine des poissons rouges dans un aquarium, quoi. L'énigme est géniale. Alors là, par contre, point bonus pour Isabelle qui nous a fait une énigme aux petits oignons. Et alors, j'adore les chats roux parce que ça me rappelle Chanel, le chat qu'on avait et qui est décédé, pas vieux du tout, le pauvre, parce que il a mangé une chenille processionnaire, donc ça lui a fait pourrir la langue et l'intérieur de son corps. Malheureusement, le pauvre. Et du coup, ça. Ben voilà. Quand j'étais jeune, je détestais les chats roux puisque c'est un chat roux qui a mangé Jaquette, mon hamster. Et après, quand on a eu Chanel, au début, je voulais pas parce que même si c'était plusieurs années avant, j'étais encore dans le traumatisme des chats roux, en mode tous les chats roux sont méchants parce que il y en a un seul qui a mangé mon hamster. Et puis j'ai réappris à aimer les chats roux d'amour avec Chanel. Et là, ma mère elle a Sushi maintenant, qui est roux et blanc, exactement comme ça, que j'appelle mon petit frère. Et du coup, maintenant, je re-aime les chats roux. Voilà. Mais il est magnifique. Les détails. Attendez, je vous montre de près quand même. Regardez-moi les jeux de lumière, là, la lumière de la fenêtre qui reflète sur l'aquarium, vous voyez? Incroyable, là, t'as une petite plante. Les poissons sont super bien faits. Le chat qui louche à moitié sur le poisson, mais il est trop mignon. Et la petite bibliothèque en arrière-plan, les rideaux là, derrière, l'eau, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou? T'as entendu un bruit? Moi aussi, j'ai entendu un truc, non? Vous avez pas entendu siffler? Ça n'a pas sifflé? T'as entendu Merlin, toi aussi, non? Je sais pas, j'ai peur. Il est magnifique. Les reflets et tout. Donc, il s'appelle Ginger Observer. c'est du fil tout moutmout, acrylique. 14 CT, 28 couleurs. Et une fois terminé, il fait 21 x 30. Oui, si. C'est une belle bête, mais c'est pas non plus un truc gigantesque. Mais quand même, voilà. Il est magnifique. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça. Encadré là comme ça, trop beau. Non, je pense pas que je vais commencer maintenant parce que je sais que si je la commence, je vais faire quelques croix et je la laisserai de côté. Donc, je vais attendre que l'énergie broderie revienne en moi, mais je pense que ça sera celle-là que j'attaquerai dans ces trois nouveautés-là en première. Je pense. Elle est magnifique. Elle est pas chère. Ah ouais, t'en fais voir. Amy vous a mis le lien, si jamais. Oh, 15 balles, quoi. J'avoue. Attendez, on va regarder ça ensemble. 15 balles. Ah oui, parce que tout est à moins 50% jusqu'au. Elle m'a dit jusqu'au combien? Jusqu'au 4, Isabelle? Attendez. Jusqu'au 4 juin. Les articles Riolis sont à moins 50 et si vous en commandez un. Au moins un produit de la marque, vous allez avoir une petite broderie offerte. Voilà, vous savez, les espèces de tout petits kits Riolis broderie qu'ils offrent à certains moments. Eh bien, si vous commandez au moins un article de la marque Riolis, vous allez en avoir un offert. Morgane, merci pour ton 20e mois. Trop bien la commu MVN. Merci Angélique pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, pas cher, hein. Vraiment pas cher pour un beau kit comme ça. Je veux dire, t'as 28 couleurs. Il fait quand même juste le dessin 21 x 30 et la toile 26 x 39. Marque Riolis, donc on sait que la marque, elle est nickel, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Le rendu est très, 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 très beau. Oh, ça rend tellement bien. Et donc, il est à 15 euros en promo, ce petit kit. Ouais, pour le prix, la taille et tout. Oh, j'aime trop. Il y a des petites bulles, j'avais même pas vu les petites bulles. C'est trop mignon. Voilà. Oh là 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 là, j'adore. Il est très très beau. Très 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 beau. Ah ouais, non mais les couleurs et tout, les reflets.
Tu vois, la fenêtre, tu sens qu'il fait soleil dehors, tu vois. Les petites gouttes et tout. Il est trop mignon. Voilà. Donc, c'était les trois paquets. On a le petit paquet pour vous qu'on va s'ouvrir. Mais c'était les trois paquets. Donc, ce joli kit-là. Tac. Qui s'appelle Ginger Observer. Observateur roux. Ces jolis petits coquelicots. Et celui-ci en black work. Voilà, du chat avec plein de jolies couleurs. Il n'y a que trois couleurs, hein, orange, rouge et rouge foncé. Mais sur la toile noire, ça ressort trop bien. Voilà. Et donc, Isabelle a marqué. Youla! Isabelle a marqué dans sa. Putain, les couleurs de celle-là, là, quand même, le chat. Ah, Isabelle a marqué dans son petit mot que ces trois produits-là seront à gagner aujourd'hui à partir d'11h30, donc dans une heure, sur l'Insta de la Maison du Canevas. Si jamais vous voulez tenter votre chance. Voilà. On va s'ouvrir le petit paquet pour vous. Ils sont magnifiques, franchement. Attendez, j'essaie de voir. Ah, le chat, il est beau. Le chat est très très beau. On a ce dernier petit paquet. Sandra, coucou. Désolée, question qui n'a rien à voir, mais je voulais savoir où tu avais eu ton stylet que tu utilises pour le DP. Sur le Facebook, Serge Restory. Tu tapes Serge Restory sur Facebook et tu vas tomber sur sa page Facebook et il fait des ventes à peu près une fois par mois. Où bah, tu dois choisir une résine qui te plaît. Et c'était enfin, la première personne à mettre un petit commentaire pour le numéro de la résine qui te plaît, elle t'est réservée, il te contacte pour le paiement et voilà. Mais en le suivant sur sa page Facebook, tu pourras suivre. Il annonce à l'avance en fait quand tu auras des prochaines ventes. Donc voilà. Merci Amy pour les liens. Amy vous a remis les liens des trois toiles. On s'ouvre ça avant de dire au revoir à YouTube, en sachant que ben. Ça sera des petits cadeaux à gagner sur Twitch. Pourquoi? Puisque j'ai déjà reçu des messages pas gentils en disant oui, et nous, YouTube, t'en as rien à foutre. C'est qu'on n'a pas le droit de faire des concours sur YouTube, c'est interdit. Et j'ai pas envie de me faire bannir ma chaîne. Donc, bah, si vous voulez des petits concours, il faut me suivre sur Twitch. Parce que là, je peux en faire sans souci. Donc, voilà. Alors, oh, il y a plein de choses. Y a plein de choses. Monsieur Jambon, ça part en ban. Merci beaucoup. Tac. Voilà. Alors. Attendez. Il y a un truc qui est coincé. Je crois qu'il a été agrafé. Voilà, petit. J'y arrive pas. Non, t'inquiète. T'inquiète. C'est parce que j'avais l'œil sur le chat. Mais... Il y a un truc qui a été agrafé. J'essaie de le désagrafer. Je vais me planter une agrafe dans les doigts. C'est bon. C'était la petite pochette. Bon, ça l'a même pas abîmé. Une petite pochette de la Maison du Canevas. Ok, donc l'enveloppe est vide. Alors, il y a plein de choses. Il y a trois petits kits. Alors, on les connaît déjà, mais c'est super cool de les revoir. Donc, le petit kit, voilà, c'est des petits kits comme ça. Vous allez en avoir un aléatoire qui sera mis dans votre commande. Si vous commandez sur la Maison du Canevas, au moins un produit de la marque Riolis. Voilà. C'est des petits kits qui se font super rapidement. Vous avez celui-ci avec le petit bouquet de fleurs, si vous voulez vous entraîner au point arrière. 14 CT, 4 couleurs. C'est vraiment des tout, 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 tout mini modèles. C'est trop mignon. Il y a celui-ci. Le petit nounours avec le cadeau. Tac. 14 CT, 7 couleurs quand même. Et celui-ci. Le cadenas avec la petite breloque clé qui est fournie à l'intérieur. Voilà. 14 CT, 5 couleurs. Donc ça, c'est l'exemple des petits kits que vous allez pouvoir avoir en cadeau
dans votre commande, si vous prenez un produit de la marque Riolis, il y a, on les avait déjà vus, rappelez-vous, Isabelle a mis pour vous un mini kit DP Riolis, puisque Riolis fait du DP aussi, avec une petite pensée, enfin une paire de pensées. Voilà, c'est un petit bébé kit, il est mis dans une pochette plastique à pression et tout, trop bien. Avec le petit truc Riolis comme ça, oh, c'est beau, oh, j'aime bien. Et donc vous avez le petit toolkit, les diamants et la petite toile. C'est trop mignon. C'est tout petit mais c'est très joli. 10 x 10 cm. Si, si, ils font même des très beaux DP Riolis, hein. Il y en a magnifiques. Et pareil, si vous achetez un DP Riolis, vous allez avoir la petite broderie offerte quand même, puisque c'est valable pour au moins un produit de la marque, pas forcément de la broderie, quoi. Donc si vous prenez un petit kit de une petite toile Riolis en DP, vous allez quand même avoir la petite broderie en cadeau. Et il y a une petite pochette qui n'est pas vide. Je crois que je sens le stylo et la petite lampe, peut-être. Alors, oh oui! Alors, le petit toolkit de la maison du canevas. Tac, donc la pochette comme ça. Vous avez le magnète qui est très joli, là. Le petit aimant à aiguille de la maison du canevas. Le petit stylo. Tac. À pression et El Famoso, petite lampe très pratique, dites-vous, car Arnaud s'en est servi à plusieurs reprises pour des travaux véridiques, puisqu'elle éclaire très bien. Voilà. La petite lampe porte-clés. C'est la police de YouTube, exactement. YouTube, si vous ne venez pas sur Twitch, vous êtes en état d'arrestation. Voilà. Alors, eh ben... C'est à ce moment-là, malheureusement, qu'on vous dit au revoir YouTube, puisque je vais faire... Je vais peut-être pas tout faire gagner aujourd'hui. On va garder pour les prochains petits marbles. Mais, je réfléchis. On va faire 3 marbles. Une personne qui va gagner la pochette avec ce qu'il y a à l'intérieur. Une personne qui va gagner un des 3. Et une troisième personne qui va gagner... le petit kit de DP. Et les deux autres kits de petite broderie comme ça, moi je les ai déjà, donc je ne vais pas les garder pour moi, mais je les garde pour d'autres marbles. Voilà. Sur ce YouTube, ben merci d'avoir regardé cet unboxing. Merci à la Maison du Canevas, merci à Isabelle si elle passe par là, et je pense qu'elle passera peut-être au replay. L'énigme, petite dédicace pour l'énigme Miou. Voilà. la lampe, c'est une pile. Une ou deux piles, et j'ai pas regardé encore, parce que bah, les deux ou trois qu'on a à la maison, elles sont encore... elles fonctionnent encore. Mais je sais que c'est des piles. Et puis rejoignez-nous sur Twitch, c'est gratuit, c'est cool, on s'amuse, il y a des concours, on rigole bien. Voilà, voilà. Des gros bisous YouTube. Et à très bientôt, et à dimanche, si vous venez à partir d'11h45, je serai en séance toutouille, tout sport, au lit, sur Twitch, à partir d'11h45. Voilà, des gros bisous. Au revoir, bye bye.